projet Mosquito 200 a été réalisé dans le département EDIM de l'UTBM au semestre d'automne 2013 par 5 étudiants de dernière année passionnés d'aéronautique. En un peu plus de 4 mois, nous avons réalisé un concept d'avion léger en déroulant un processus de conception, de l'analyse du besoin jusqu'au prototypage. Plus précisément, l'objectif était de proposer un avion monomoteur, biplace en tandem et rapide pour effectuer des missions de corporate taxi. Il s'agit d'offrir aux hommes d'affaires ayant besoin de voyager à la fois rapidement et sur de longues distances un moyen de transport alternatif et souple. Nous cherchions à avoir un concept techniquement lucide. Et comme nous ne sommes pas des spécialistes aéronautiques, nous avons commencé à nous renseigner avant la rentrée pour étayer nos connaissances actuelles. L'une des premières étapes a été de réaliser un comparatif de ce qu'on pouvait trouver sur le marché afin de justifier le besoin d'un tel appareil. Et c'est en parallèle qu'a vu le jour le cahier des charges précisant nos objectifs. À l'aéroclub du pays de Montbéliard, on a rencontré un ingénieur aéronautique et un pilote instructeur qui ont orienté nos premiers choix. Grâce à leurs conseils et nos recherches, on a pu décider de l'architecture de l'avion et établir une première maquette numérique de prédimensionnement. Nous avons défini les volumes de l'habitacle en nous basant sur des données anthropométriques, les réglementations aéronautiques et les fonctionnalités et prestations de confort issues du cahier des charges. En parallèle, nous avons réfléchi au style que nous voulions donner au Mosquito. C'est après de nombreux préconcepts qu'on s'est mis d'accord sur un caractère agressif évoquant vitesse et nervosité, comme c'est le cas pour l'Lamborghini. Dans la phase d'avant-projet, nous avons repris et adapté des éléments des concepts initiaux. Il nous restait ensuite à développer et finaliser ce concept en le confrontant aux contraintes techniques et aux prestations attendues du Mosquito. Les fonctionnalités et le confort de l'habitacle ont été évalués sur la plateforme de réalité virtuelle Prévercos avec l'aide d'un pilote de chasse. Cela nous a permis de valider le modèle numérique d'un point de vue ergonomique. Cette expérience très immersive nous a permis d'avoir une vision très claire sur les points forts et les points faibles de notre architecture et d'itérer le modèle numérique. Les paramètres de l'appareil ont été définis en utilisant des modèles de calcul et les caractéristiques d'avions issues du benchmark. Nous avons également développé un train d'atterrissage tricycle rétractable, élément essentiel pour réduire la traînée et atteindre une vitesse de 200 mètres. L'intérieur, signant véritablement notre concept, a été dessiné en accord avec l'image de performance insufflée par l'extérieur, mais surtout dans une optique de luxe et de confort indispensable au marché ciblé par Mosquito. Le gel du concept final a pu être effectué après une étude sur le logiciel Aircraft Design Software, ce qui a permis d'affiner les performances et caractéristiques du Mosquito. Ces performances sont conformes à celles fixées dans le cahier des charges. La modélisation de la cellule était très délicate. Il a fallu mettre en volume des plans dessinés à la main en restant le plus fidèle possible, puisque c'est la première chose qui va sauter aux yeux quand on va découvrir l'avion. Bonjour, je suis Fabrice Claudel. Aujourd'hui, je suis commandant de bord Airbus 320, mais autrefois, il y a 20 à 30 années, j'étais passionné de modèles réduits, d'aviation, de vol à voile également, et cela m'a amené donc dans un métier qui est purement de l'aviation, piloter un Airbus d'un bout à l'autre de la France aujourd'hui.
J'ai été invité à cette donc exposition de ce projet sur le mosquito. Je trouve ça remarquable qu'en 6 mois, des étudiants qui partent de zéro, certainement d'une passion et de certaines connaissances également au départ, arrivent à la modélisation avec un tel degré de précision et de rendu. Et ma foi, c'est une partie de mes rêves, puisque avec mon DUT de génie mécanique, ça faisait partie de mes idées de départ, de me donner des moyens aussi d'un jour de concevoir un avion. Donc j'en ai construit un sur des plans et j'avais envie d'en faire un deuxième, mais là je vois, il existe déjà. Voilà, l'avion des rêves, c'est magique, c'est fantastique. J'espère qu'il va continuer et je vous souhaite vraiment plein de chance, bon courage et une grande réussite.